Bonjour Jean-Charlie, l'Institut français de Madrid est très heureux de vous accueillir dans le cadre du festival Documenta Madrid avec votre film La Béhème du Seigneur. Je souhaitais vous poser une première question pour le spectateur qui n'aurait pas encore vu votre film. Pourquoi ce titre qui intrigue La Béhème du Seigneur? Alors La Béhème du Seigneur, il y a plusieurs raisons. Comme l'a dit un jour un gitan, un voyageur, il m'a dit que effectivement, enfin tous ceux qui sont chrétiens, évangélistes, ont une expression, et c'est vrai qu'ils mettent le Seigneur partout, en fin de chaque phrase. Ça aurait pu être la caravane du Seigneur, l'arbre du Seigneur. Enfin voilà. Donc le mot Seigneur, c'est une chose qui revient assez souvent. Donc ça c'était une première piste, mais la vraie piste, la vraie chose, c'est qu'en fait j'ai repris la vérité, j'ai repris ce titre d'un de mes courts-métrages que j'avais fait il y a plusieurs années déjà. Et ce court-métrage montrait comment ça se passe donc, dans les grandes réunions évangéliques avec les voyageurs. C'était à Gien. Et cette fois-là, c'était la deuxième fois que j'y allais dans ma vie, je crois. Et donc, comme je le racontais, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore différent. Bon, ça, la situation a changé en 10-15 ans, mais à cette époque-là, c'était mes débuts avec eux, donc c'était il y a 15 ans. Et à cette époque-là, de manière très marquée, il y avait deux attitudes un peu sur les grands terrains évangéliques. Il y avait évidemment la majorité, c'était les chrétiens qui étaient là et qui allaient sous les grands chapiteaux Bouglione, qui étaient prêtés par la famille Bouglione, qui sont de Zigane, pour permettre de se réunir en chrétiens dans le chapiteau et d'écouter le prêche des pasteurs. Donc ça, c'est évidemment la plus grosse activité qui se passe à Gien lors des grandes réunions. Et puis à cette époque-là encore, il y avait, avant que ce ne soit interdit par les pasteurs, il y avait les jeunes qui prenaient leur bagnole. Il y avait des courses de voitures, il y avait de tout, hein, des très belles voitures aussi. Et ils faisaient des courses de voitures le soir, hein, à partir d'une fin de journée. Souvent ils avaient des BM et ils se coursaient eux-mêmes toute la nuit. Et au petit matin, parfois, lorsque certaines voitures étaient foutues, je me souviens qu'eux-mêmes ils y foutaient le feu et que ça se terminait comme ça, la carcasse de la bagnole brûlée, enfin, on la retrouve au petit matin noircie. Et voilà, donc, et je me souviens que lorsque j'allais assister, moi j'allais aussi assister aux réunions chrétiennes, et avec Violette et avec la famille d'Orkel, et puis le soir, et ben, il y avait les plus jeunes qui venaient me voir, qui disaient, tiens Charlie, ça te dit pas, on va voir les courses, est-ce que tu veux venir avec nous, quoi. Alors donc évidemment j'y allais parce que ça m'intéressait. Et donc je me retrouvais à 400 mètres du chapiteau, à peu près. À cette époque-là, donc, je disais que les pasteurs ne l'avaient pas encore interdit. Aujourd'hui, ils ont interdit tout ça, ce qui fait qu'ils le font beaucoup plus loin. Mais on entendait à 400 mètres encore les prières des gens qui étaient sous le chapiteau, parce qu'après les grandes réunions, il y avait encore d'autres réunions le soir tardives pour les plus jeunes. Alors on entendait les chansons, les prières, les choses comme ça, tandis que eux, au milieu de la nuit, au milieu des feux de camp improvisés, des poubelles brûlées, ils faisaient leurs courses. Donc il y avait, c'était pas compliqué de se rendre compte qu'il y avait une espèce d'ambiance un peu le bon Dieu, quelque chose de plus diabolique, on va dire, dans l'attitude, si on voulait caricaturer un peu, quoi, l'enfer et le paradis, un peu comme ça. Et moi j'aimais beaucoup cette impression de voir les deux positions comme ça. Et je me souviens qu'après, avec Pierrot, il avait lui aussi une BM à cette époque-là, et on avait pris la BM, on a été faire un tour comme ça, au milieu des caravanes, des chapiteaux. Et puis je sais pas pourquoi j'ai pensé à un truc à ce moment-là. Je me suis dit, si le bon Dieu, du moins un envoyé de Dieu, débarquait pour venir nous voir, essayer de rattraper les brebis perdues, non pas celles qui sont sous le chapiteau, mais celles qui ne sont pas encore baptisées ou qui sont un peu égarées là au milieu de ces flammes, qu'est-ce qu'il ferait? Comment il s'y prendrait? Et puis j'ai évidemment, ça m'est venu comme ça, tout de suite l'image, j'ai vu l'envoyé de Dieu arriver en BM, quoi. C'est-à-dire, forcément, pour causer à des mecs comme ça, il faut venir en BM, il faut les intéresser, il faut dire, bah, moi aussi j'ai une BM, regarde, on va regarder le moteur, etc. Et puis forcément, bah, les jeunes, ils viendraient voir un petit peu, même s'ils trouvent le mec un peu bizarre, et ils partageraient autour du moteur, ça serait un point de départ pour arriver à discuter avec eux, quoi. Et donc je me suis dit, voilà, la BM du Seigneur, donc je me suis dit, si ce soir, comme nous, Dieu se balade au milieu des chapiteaux, il le fera en BM, quoi.
Donc, d'où la BM du Seigneur. Alors, au début, ça leur a pas plu, hein, le titre, enfin, pas aux chrétiens, quoi, Violette. Elle disait quand même la BM du Seigneur, mais la BM ou le Seigneur, si tu veux, la BM ou le Seigneur, un choix. Mais la BM du Seigneur, ils trouvaient ça un peu blasphématoire, mais. Et maintenant qu'ils ont vu le film, ils trouvent ça très bien. Pourquoi avez-vous choisi cette forme entre fiction et documentaire Pourquoi il y a un mélange, effectivement, et par moments, en sachant que c'est une partie fiction, on peut presque reconnaître que c'est une fiction, mais d'autres parties, on ne sait pas où on est, si on est dans du documentaire, dans de la fiction. Je pense que c'est juste un besoin. Je pense que c'est un besoin, je n'ai pas trop de discours. Enfin, c'est une chose qui m'intéresse de parler de documentaire, fiction, c'est un discours cinéphile, un discours qui touche au langage du cinéma. Et ça m'intéresse intellectuellement, on va dire, et au niveau de la pratique, mais je pense que c'est pas ce qui me le plus, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, et je sais pas encore trop pourquoi, mais un jour peut-être je le saurai, ce qui m'intéresse, c'est le moment de flottement, en fait, mais le moment que je dois vivre, en filmant ou pas d'ailleurs, hein, mais que j'essaie de vivre entre un moment qui se veut plus ou moins fabriqué, plus ou moins voulu, hein, et un moment où la vie est quand même toujours là. Et donc, c'est-à-dire que j'ai quelques moments dans le film comme ça dont je me souviens, pendant la grille, là, de jour, là, tout en plein soleil, il y a eu un moment où plus personne, à part les deux intéressés, quoi, les deux acteurs, enfin Frédéric et Joe, quoi, eux, ils savaient qu'ils étaient en train de jouer leur scène, et tous les autres autour, y compris les gosses, personne ne regardait la caméra, parce qu'ils avaient complètement oublié la caméra, et ils regardaient Fred et Joe s'engueuler comme si c'était pour de vrai. Alors que ça faisait une heure qu'on installait un travelling, qu'on avait des perches, enfin une perche. Donc normalement, c'était impossible qu'ils ne puissent pas comprendre. Mais il y a un moment, comme la scène, on a mis 3 heures, on a fait une vraie grille d'abord, on n'a pas fait une fausse grille de cinéma, un faux barbecue. Donc du coup, je pense qu'au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, tout le monde était là, content que ça soit sans bruit, chez Merguez. Et il y a un moment où ça, on ne sait plus trop, ni nous. Et moi, je veux éventuellement ne pas le savoir aussi. C'est-à-dire, bien sûr, je le sais. Mais j'éprouve un vrai moment de flottement dans ces moments-là, quoi. Et parfois, dans ma vie, ça m'est arrivé d'avoir des vrais moments de flottement comme ça. Je ne sais pas si c'est une forme d'épiphanie, mais je me souviens de moments comme ça dans ma vie où en voyageant, parfois en Inde ou ailleurs, à un moment, je suis troublé. C'est-à-dire, je ne sais plus. Le réel vacille un peu, quoi. Le réel vacille entre ce que je vois, ce que je crois voir ou pas, etc. Il y a un moment où tout ça vacille, et je pense que c'est un moment fort qui m'intéresse au niveau de la création, quoi. Et parce que je trouve généralement que, un, la vie, faut toujours la dépasser, parce que, en ce qui me concerne, il arrive souvent qu'elle soit assez ennuyeuse, elle m'alourdit plus qu'autre chose, souvent, pas toujours, mais souvent. Et la fiction, pour moi, représente parfois trop du mensonge. C'est-à-dire que je suis pour la fiction, mais il y a un moment, ça peut frôler pour moi le ridicule, le fait de tout fabriquer, ça prouve l'impuissance de la vie, soi-disant, à avoir quelque chose d'intéressant. Alors donc moi, je me dis, voilà, je vais utiliser les deux, ce qu'il y a de mieux dans les deux. Donc je donne une piste fictionnelle, et puis je me lance aussi dans le documentaire, et puis à un moment, les deux vont se marier, pour mon plus grand plaisir, et parfois pour eux. C'est-à-dire que nous tous, on va fabriquer un truc, mais ça sera aussi la vie. Et donc moi, je tiens à ça, je tiens qu'il y ait de la vie. Je préfère parler de vie plutôt que de documentaire. Documentaire, c'est déjà trop cinéma. C'est la vie, de la vie dans l'art, quoi.